Bonjour. Alors voilà, je vous parle de nouveau depuis Katmandou. Et aujourd'hui, mercredi 2 mai, j'avais rendez-vous avec Monsieur Sanou, avec qui nous avons fait des tests il y a déjà un an et demi avec les premiers échantillons de Greenfire. Et ces tests avaient été semi-concluants et m'avaient conduit à faire des modifications techniques sur le Greenfire. Ces modifications ont été faites et maintenant que sur le Greenfire définitif, nous avons fait samedi dernier des tests, vous avez pu voir la vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, et ça a été un plein succès. Pourquoi un succès? Parce que M. Sanou est un spécialiste de la biomasse et de la protection de l'environnement au Népal. Il a été primé par des universités américaines, reconnu par l'ONU, c'est quelqu'un de très important qui connaît beaucoup de choses. Il connaît toutes les origines des différentes biomasses sur le Népal et aussi il connaît très bien le Népalais et l'état d'esprit des Népalais. Donc c'est quelqu'un qui est un homme ressource, c'est un homme vraiment extraordinaire qui a 73 ans, 73 ans pour les Suisses, et qui est encore plein de dynamisme, plein de projets, plein d'entre-gens, qui est membre du Rotary, et j'espère pouvoir avoir une collaboration avec lui, que Hirantman puisse collaborer avec lui. Il a une fondation qui s'appelle FAUST, il va se présenter. Et il a une particularité aussi, c'est qu'il fabrique des briquettes, donc de la biomasse compressée. Donc il a un petit négoce de biomasse compressée. Et comme cette biomasse compressée fonctionne très bien dans le Greenfire, alors on a maintenant tous les ingrédients pour pouvoir diffuser le Greenfire déjà à Katmandou et dans les environs. Voilà, donc je vais donner la parole à M. Sanou. Ok. Thank you, Jean. For your expressions about me and our organization, and for your, you know, Greenfire, because Greenfire is a different type of stove which can produce a wood gas and also, can bring a big change in the community level when it is introduced there with the brigade, pallets, with the local fuel. So that Greenfire stove can be used efficiently for meeting the needs of the villagers with the locally available materials. Okay. So another case is we are ready to train your community people on making the briquettes from the local waste with the machines here, and also with other technologies. If they are interested, we are ready to train them on solar and sustainable technologies what we have. Thank you. Donc voilà, donc monsieur Sanou s'est bien présenté, et là maintenant moi je vais faire un petit tour de son atelier pour vous montrer les différents appareils qu'il a conçus, qu'il a fabriqués et à quoi ils servent.